les gars, c'est Rabgussi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Valenciennes. Alors, on s'est quitté sur un épisode plutôt assez sympathique où on a fait deux victoires et sur trois matchs avec un nul et une victoire lors du dernier match dans les ultimes secondes de match à la 120e minute. Au bout du suspense, on s'est qualifié pour le tour suivant en Coupe de la Ligue. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Qui sera face à Reims. On aura un match donc face à Reims. Attendez, calendrier. Hop. Alors face à Reims, au stade de Reims, à Orléans et ensuite on ira à Nîmes. Donc voilà les gars pour le programme de cet épisode. On va se lancer directement pour le match. On se retrouve sur le terrain. Allez, c'est parti pour ce match les gars. En pointe, Renaud Aymon. On lui fait confiance. Il a fait un bon match, une bonne entrée plutôt contre Auxerre donc. Oh, c'est bien joué, 6. Ce bon centre ou dommage. Là, il m'a dit gardien. Oh non. Oh la red perquis. Oh là mais... Oh. Heureusement qu'on a ce gardien là, franchement. Bon, non. Allez, je tentais, la balle arrivait. Je me suis dit, on va tenter. Le centre. Allez, Aymon. Aymon. Oh la bonne barre du gardien. Oh, attention à cette balle là. Oh, oh heureusement. Ah non. Non. Ah, j'ai tenté. Hein. Je me dis, on va tenter de si loin, mais ça rentre pas. Alors voilà, petit changement de formation. Parce que voilà, j'arrive vraiment pas. Il n'y a aucune action là. Donc on va tenter un petit coup dans les dernières minutes du match. Et donc je fais rentrer Will Greek, qui sera son premier match. On va le passer en AC. Et voilà, donc premier match de Will Greek. Allez, petit changement en 4-4-2 maintenant. On va essayer d'apporter autre chose parce que là ça va pas du tout. Allez Will, s'il te plaît, sors-nous quelque chose. Dommage pour la confusion. Ah, y a pas faute, bien sûr qu'il y a faute, bien. Il a bien été la chercher là, Aymon. Carton jaune. Bien sûr qu'il n'y a pas penalty là, c'est coup franc. Ouais, ouais, il y a faute. Il n'y a pas à dire. Ouh, dommage, elle passe pas loin. Oh là là. Et mon gars. Aymon. Oh, Quintero. Oui, le but. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Quintero. Oh putain, on n'aura pas eu beaucoup d'occasions, mais heureusement, le petit changement en 4-4-2 a fait du bien, franchement, parce que je le sens directement. Il y a un peu plus de mouvement. Ouh, le dégagement. Allez, allez. Il la joue dans la surface. Non. C'est un but. C'est pas vrai, putain. Leur seul tir du match, quoi. Ouais, putain, mais il est tous. Ouais, mais allez, mais comment mon mec n'arrive pas à la capter? Ouais, sérieux. Mais il est joué, putain. Oh, c'est pas possible. De nouveau un nul, 1-1. Oh, on n'a pas eu fort d'occasion en première période. En deuxième, on en a quand même eu plus. Ouais, c'est très dur. Franchement, c'est dur de faire du beau jeu avec. Voilà, l'équipe est quand même fort faible. Donc, ça se ressent fortement dans le jeu, quoi. Voilà, et en face, des fois, ils se mettent à jouer comme le Barça, quoi. Donc, je veux dire bien, mais c'est Reims, quoi. Hein. Donc, bon. Bon, allez, on va passer ça à battre. On va continuer contre Orléans. On se lance. On se retrouve sur le terrain. Les gars. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son. Allez, c'est parti. Là, on veut la victoire. Donc, on va aller la chercher. Coûte que coûte. Au forceps, s'il faut. On y va. On lâche rien. Allez, Dolly. Allez, Dolly, ça joue déjà bien là. Au bon centre de Dolly. La tête. Allez. Ouh. C'est pas possible. Le bon centre, la tête. Allez, c'est pas fini. Temps direct. Ouh, le. Allez, on continue à mettre la pression. Allez, allez. Côté. Allez, Dolly. Deuxième chance. Deuxième chance, Dolly. Allez, Aymon. Allez. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça veut pas rentrer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut pas rentrer.
un contre, deuxième contre, et elle va taper le poteau. Extérieur, bien sûr, pas intérieur. Allez, on lâche pas la pression, on continue, on remet la pression là, franchement. Allez, y'a personne. Allez, Jeff. Il rejoue derrière lui. Allez, Jeff, le tir et l'arrêt du gardien, encore une fois, c'est pas possible. Putain, c'est quoi cette passe? C'est pas là que je voulais sur Dolly en fait. Allez. Erno. Oh putain, Dolly. Mais non. Oh putain, la sale faute. La sale faute. Non mais sérieusement. Carton jaune quoi. On dirait qu'il s'est blessé sur cette faute. Oh putain, ouais, bah il va prendre. Il prend même pas le ballon quoi. C'est carte rouge quoi. Allez. Allez. C'est un coéquipier modèle. Mais bah, putain, mais genre quoi. D'un coup, ils se mettent à jouer de nouveau comme le Barça. Ah, allez, bah, c'est bon. C'est n'importe quoi. D'un coup, ils se mettent à jouer. Tac, tac, tac. Ça se joue super bien. Allez, regarde ça. Non, mais allez. J'en veux plus. J'en veux plus, frère. Ouais, c'est pas des connes non plus, quoi. Il y a un moment. Premier tir, premier but, quoi. Directement, il faut y aller. Allez, encore une faute. Pas de carton, bien évidemment. Très généreux, toujours pas de carton et pourtant ça méritait une sanction. Bah merci Grégoire Margoton. Oh magnifique. Ah, mais c'est quoi cette parade? Centre en retrait. Oh la volée. Mais allez. Oh quel geste. Oh la frappe. Serre. Et le but. On s'en fout comment il est. On bat les couilles. Hein. On s'en fout comment est le but. Non, pas les couilles. Elle est dedans. Putain. Et qu'est-ce que je dois faire pour marquer quoi? C'est n'importe quoi sincèrement. Bon, fin du match 1-1. Franchement, c'est pas mérité. On mérite largement la victoire. Et il se passe des trucs, c'est incroyable quoi. Ils ont un tir sur tout le match et ils marquent quoi. Donc voilà, un tir. J'en ai 11. Et j'ai quand même des occasions vraiment franches. Bon, c'est l'heure d'enregistrer notre joueur préféré. Alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà, maintenant on a une chose à faire, c'est sélectionner notre joueur préféré, donc le joueur qu'on va mettre en avant, le joueur vedette. Alors on a beaucoup, beaucoup, c'est un peu exagéré, il y a quand même quelques joueurs que je pourrais mettre. Je pense quand même mettre Quintero ou Renadelid, je sais pas encore. Non, je pense quand même mettre, on va mettre Quintero. Voilà, je suis sûr, joueur préféré. Il faut lui mettre la confiance à Quintero. Voilà donc Quintero en joueur préféré. Voilà, bon, on va se lancer face à Nîmes Olympique. En espérant quand même cette fois-ci remporter la victoire. Alors je vais faire la formation d'équipe, on se retrouve sur le terrain les gars. Allez c'est parti pour ce match face à Nîmes. Alors victoire impérative là, ça fait 2 nuls. Donc il faut gagner et en plus petit problème c'est que j'ai dû mettre l'équipe B. Tous les joueurs étaient crevés. Donc j'espère que ça va le faire. Will Greek est titulaire pour la première fois. Donc on se lance et on verra bien, on n'a pas le choix de toute façon. Pour trouver la faille dans la défense. Va-t-il en profiter? Oh pou la Red Merville là. Oh attention. On va galérer. Ça c'est sûr, on va galérer là. Après le dernier match perdu sur une erreur de Oh putain, je l'ai vu dedans. Il joue dans l'espace. Greg Grange. Oh, elle passe pas loin. C'était magnifique ça le mouvement là. Spag. Pourquoi pas? Et le but, pourquoi pas, je l'ai dit. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Asbag. Il est pas moche du tout celui-là, il est pas moche du tout. Eh, ça joue bien finalement. Oh l'arrêt, bien Merville. Pas mauvais gardien. On s'est bien joué. Oh dommage, t'es bien joué. Et d'après pourquoi pas. Et le but. Oh oui, c'est magnifique. Splendid. Yes. Oh là là,
c'est mes deux récupérateurs, putain. Hey, j'ai plus facile à jouer avec l'équipe réserve que l'équipe première, quoi. Ouais. On voit bien, d'ailleurs, depuis l'autre allez, Grange. Grange, la tête. La tête, elle passe pas loin, dommage. Yes, victoire, les gars. 0-2 face à Nîmes. Elle fait du bien, cette victoire. Elle fait du bien, surtout que c'était avec l'équipe B. Voilà, les gars, on peut voir qu'au classement, on est 9e avec 9 points. J'ai envie de continuer sur cette dynamique positive et tenter de battre Auxerre. Donc on les a battus en coupe. J'espère bien les battre maintenant. Donc on va se lancer pour un 4e et dernier match. On se retrouve sur le terrain, les gars. Allez, c'est parti, en espérant rester sur cette dynamique. On va tout faire en tout cas pour. Oh, mais là, sans faute sur Dolly Menga, c'est quoi ça? Sérieux? Carton rouge référé. Il va au goal. Oh. Si j'ai la balle, je vais au but. Ah, il prend le ballon. Il frappe. Ouh, j'essaye au-dessus du mur. Dommage. La faute, eh ouais, la faute de nouveau. Oh, pas de carton. Non. Là, je suis sûr qu'il y a faute, là. Ouais, mais là, il y a faute. Là, ça mérite vraiment une jaune, quoi. L'autre, avant ça, le défenseur, il prend quand même le ballon. Quasiment. Mais qu'est-ce que tu siffles, hein? Mais je prends le ballon. Ouais, mais non, je prends le ballon. Je prends le ballon, il n'y a absolument pas faute. La faute. Mais bien sûr qu'il y a faute. Coup franc de nouveau. Et il a déjà un jaune, lui, en plus, hein. Ouh, pou, j'ai contourné le mur. Elle passe pas loin du tout. Oh là là, elle passe pas loin. Il y a bien un qui va finir par rentrer, c'est pas possible. C'est joué long, attention. Il est passé. Il y va tout seul. Centre à terre. Oh putain. Ah putain, il est passé devant mon défenseur, bien joué. Là, c'est bien joué. Là, c'est bien joué, tout ce gars qui met ce but 1-0. Allez, il faut se relever directement. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. On joue sur l'aile, il est servi. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Allez. Oui, le but. Je danse le mia. C'est le pionnier avant. Pour danser le mia. Je danse le mia. L'égalisation. Et mon qui égalise. Pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Oui. Oui. Non. Oh, la parade du... Oh, la parade du gardien, là. C'était superbement bien joué, l'action. Elle était... Oh, là, elle était super bien construite. Oh là là, la parade du gardien. De la tête. Oh. C'est dégagé loin devant. Le centre plein axe. La frappe, attention. Le but, oui. Goal. 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 Le but, oui. Oh là là, il fait du bien quand t'arrives. J'entends mon micro. Oh là 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 là. Oh, la première action déjà, elle est sauvée sur la ligne. Ensuite, je ressens direct. Voilà, elle est sauvée sur la ligne. Là, je reviens sur Grange. De nouveau un bon centre. Et là, Cantari, je le vois tout seul au deuxième. Je lui tire. Et là, heureusement. Oh là là. Allez, va falloir garder le résultat. Là, on va faire attention. Une poignée de secondes. Voilà ce qui les sépare de cette victoire. Bentaleb. Ouh, le gardien, mais il y a faute sur Bentaleb. C'est incroyable. Et voilà, victoire. Oh, on termine cet épisode bien mieux qu'on l'a commencé. Victoire face à Auxerre. Alors c'est toujours des matchs un peu épiques, hein, face à Auxerre. On a eu des occasions, mais ils ont quand même bien joué aussi. Donc voilà, la victoire est importante, elle est là et elle fait du bien. Voilà les gars, on voit qu'au classement on remonte 6ème, on est à 12 points. On a 6 points du premier de Gazalec. Donc voilà, c'est plutôt bon là. Sur la fin de l'épisode, on est bien. 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Pour l'instant, on est bien, on doit continuer comme ça. On va aller voir ce qui nous attendra dans le prochain épisode. Je sais qu'il y a le match de la Coupe de la Ligue qui nous attend. Donc on va voir
où on en est à ce niveau là. Donc ouais, voilà. Ah ben, on commencera directement le prochain épisode par le match de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais. Alors là, autant vous dire que ça va être très très dur, n'est-ce pas? Il faudra, faudra être chaud, franchement, directement. Donc l'Olympique Lyonnais, on recevra le Stade de Brest, le Stade Brestois, et on ira où? On ira au Gazélec. Voilà, voilà. Là, il faudra absolument gagner ce match-là. Ça, c'est une certitude, et par après, voilà. Donc on va se faire ça dans le prochain épisode, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.